Alors voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Et est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, il nous vient des Chinois, des Hindous. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un fauteuil Second Empire? Mais à moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Ça n'a aucune importance. Après tout, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas, des situations fausses. J'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger, Louis-Philippe, ça ne vous dit rien? Vous verrez, dans un salon Second Empire, ça n'est pas mal non plus. Ah bon? Bien. 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 Tout de même, je ne me serais pas attendu à... Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Mais comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis le pied ici? Car enfin, si elles y étaient venues, hein? Ouais. Où sont les femmes? Quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs du cuir. Vous voulez rire? Ah non. Ah bon, non. Non, je ne voulais pas rire. Donc, pas de glace. Pas de fenêtre, naturellement. Rien de fragile. Et pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Voilà. Voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Oh, je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position. Love, je me suis... Love. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tous les clients posent la même question. Ils s'amènent. Où sont les pales? À ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Et puis, dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Mais pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Car enfin, je vous le demande. Why would you brush your teeth? Hein? Oui, en effet, pourquoi, hein? Et pourquoi se regarderait-on dans la glace, hein? Tandis que le bronze a la bonne œuvre, hein? J'imagine qu'il y a de certains moments où je le regarderai de tous mes yeux. De tous mes yeux, hein? Non, mais allons, il n'y a rien à cacher, je vous dis que je n'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je vous raconte comment cela se passe? Le type suffoque, il s'enfonce, il se noie. Seul son regard est hors de l'eau, mais qu'est-ce qu'il voit? Un bronze de Barbedienne. Mais quel cauchemar! On vous a sans doute défendu de me répondre, je n'insiste pas. Mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu et ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris. Je regarde la situation en face. Donc, pas de brosse à dents. Pas de lit non plus. Non, parce qu'on ne dort jamais, bien entendu. Dame. Je l'aurais parié. Le sommeil vous prend derrière les oreilles, mais pourquoi dormir? Vous sentez les yeux qui se ferment. Vous vous allongez sur le fauteuil et pfout! Le sommeil s'envole. Hein? Il faut se frotter les yeux, se relever et tout recommence. Que vous êtes romanesque. Ah, taisez-vous. Je ne crierai pas, je ne gênerai pas. Mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière sans que j'aie pu la reconnaître. Romanesque. Alors, c'est qu'on n'a même pas besoin de sommeil. Parfait. Pourquoi dormir si on n'a pas sommeil, hein? Non, mais attendez. Attendez, pourquoi est-ce pénible?
Pourquoi est-ce forcément pénible? J'y suis. C'est la vie sans coupure. Quelle coupure? Quelle coupure? Regardez-moi. J'en étais sûr. Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insoutenable de votre regard. Mais ma parole, elles sont atrophiées. Mais de quoi parlez-vous? De vos paupières. Nous, nous battions les paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait. Un petit éclair noir, un rideau qui tombe et qui se relève, et hop, la coupure est faite. L'œil s'humecte, le monde s'anéantit. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est rafraîchissant. 4000 repos dans une heure. 4000 petites évasions. Et quand je dis 4000. Donc je vais vivre sans paupières. Non, ne faites pas l'imbécile. Sans paupières, sans sommeil, c'est tout un. Je ne dormirai plus. Mais comment pourrais-je me supporter? Essayez de comprendre, faites un effort. Je suis d'un caractère taquin, voyez-vous, et j'ai l'habitude de me taquiner, mais je ne peux pas me taquiner sans arrêt. Là-bas, il y avait les nuits, je dormais, j'avais le sommeil douillé. Je me faisais faire des rêves simples, par compensation. Il y avait une prairie, c'est tout, et je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. Parbleu, mais c'est ça votre jour? Et dehors? Dehors? Oui, dehors, de l'autre côté de ces murs. Il y a un couloir. Et au bout de ce couloir? Il y a d'autres chambres, et d'autres couloirs, et des escaliers. Et puis? C'est tout. Non, mais vous avez bien un jour de sortie, où allez-vous? Chez mon oncle, qui est chef des marchands d'âmes, au troisième étage. J'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors, on ne peut pas éteindre? La direction peut couper le courant. Mais je ne me rappelle pas quel est fait cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Ah, très bien. Il faut vivre les yeux ouverts. Vivre? Oh. Vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, est-ce qu'elle s'éteindrait? Il est trop lourd. Vous avez raison, il est trop lourd. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Attendez. C'est une sonnette, là. Je peux vous sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir. En principe, mais elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Ben, elle marche. Mais ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas, cela ne va pas durer. Allons, à votre service. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien, c'est un coupe-papier. Il y a des livres ici? Non. Voilà à quoi sert-il? Ah, c'est bon, allez-vous-en.
plaît, s'il vous plaît. Vous avez appelé ? Non. Ah. Vous êtes chez vous, madame. Si vous avez des questions à me poser. D'ordinaire, les clients aiment se renseigner. Je n'insiste pas. D'ailleurs, pour la sonnette, le brosse à dents, le bronze de Babidienne, monsieur est au courant. Ils vous répondront aussi bien que moi. Oui, Florence? Je vous demande où est Florence? Mais je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence? Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte, et je ne la regrette pas. Je vous demande pardon, mais pour qui me prenez-vous? Vous? Vous êtes le bourreau. Non, mais ceci est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment. Alors, vous êtes entré, vous m'avez regardé, vous avez pensé c'est le bourreau. Le majordome est ridicule, il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Le bourreau, mais... Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne, madame... Inès Serrano, mademoiselle. Bien, parfait, la glace est rompue. Alors, ainsi vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, s'il vous plaît, les bourreaux? Ils ont l'air d'avoir peur. Ah, peur? C'est trop drôle, et de qui? De leur victime? Allez, je sais ce que je dis, je me suis regardé dans la glace. Dans la glace? Seulement, ils ont ôté tout ce qui pouvait ressembler à une glace. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère, je suis très conscient de sa gravité, mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde. Ça vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? La porte est verrouillée. Tant pis. Je comprends très bien que ma présence vous importune et personnellement, je préférerais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je ne remue guère et je fais peu de bruit. Seulement, si je peux me permettre un conseil, il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Je ne suis pas poli. Ah bon? Voilà, je le serai donc pour deux. Votre bouche. Plaît-il? Vous ne pourriez pas arrêter votre bouche. Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Je vous demande pardon, je ne m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Encore? Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Vous n'avez pas peur, vous? Quoi faire? La peur, c'était bon avant, lorsque nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Alors, je ne sais pas. J'attends. Avec tes mains, je sais que tu n'as plus de visage. Je ne vous connais pas, monsieur. Je ne suis pas le bourreau, madame. Je
Je ne me prenais pas pour le bourreau. J'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Alors nous allons rester tout seuls. Monsieur, madame et moi. Il n'y a pas de quoi rire. Mais ces canapés sont si laids. Et voyez comment on les a disposés. Il me semble que c'est le premier de l'an et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun le sien, je suppose. Celui-ci est à moi. Je ne pourrai jamais m'asseoir dessus. C'est une catastrophe. Je suis en bleu et il est vert épinard. Voulez-vous le mien? Le fauteuil rouge? Ah, vous êtes trop gentille, mais ça ne vaudrait guère mieux. Non, qu'est-ce que vous voulez? Chacun son lot. J'ai le vert, ou je le garde. Le seul qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez, garçon? Ah, le fauteuil. Pardon. Il est à vous, madame. Merci. Bien. Faisons connaissance puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Je suis très heureuse. Joseph Garcin. Avez-vous encore besoin de moi? Non, allez, je vous sonnerai. Oh, oh, oh. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs? Oui, j'aimais beaucoup les fleurs. Elles se faneraient ici. Il fait trop chaud. Bon, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver la bonne humeur. Vous êtes... Oui, la semaine dernière. Et vous? Moi? Hier. La cérémonie n'est pas achevée. Le vent dérange le voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons. Allons. Encore un effort. Voilà. Voilà deux petites larmes qui brillent sous le crêpe. Oh, Olga Jardin est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas à cause du rimmel. Je dois dire qu'à sa place. C'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert? Non, j'étais plutôt abrutie. Qu'est-ce que... Une pneumonie. Eh bien, ça y est, ils s'en vont. Bonjour, bonjour. Que de poignées de main. Mon mari est malade de chagrin, il est resté à la maison. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Cher monsieur, si seulement vous vouliez bien ne pas user de mots si crus, c'est choquant, hein. Et finalement, qu'est-ce que cela veut dire, hein? Peut-être n'avons-nous jamais été aussi vivants. S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents. Ce sera plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis un mois environ. D'où êtes-vous? De Rio. Moi, de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Ma femme. Elle est venue à la caserne comme tous les jours. On ne l'a pas laissée entrer. Elle regarde entre les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent, mais elle s'en doute. Elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Bah, tant mieux, hein, elle n'aura pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas. Elle ne pleurait jamais.
Il fait un beau soleil et elle est toute noire dans la rue déserte avec ses grands yeux de victime. Elle m'agace! Estelle! Monsieur? Monsieur Garcin? Est-il? Vous êtes assis sur mon fauteuil. Pardon. Vous aviez l'air si absorbé. Oui, je mets ma vie en ordre. Et pourquoi riez-vous? Ma vie est en ordre. Ouais. Tout à fait en ordre. Elle s'est mise en ordre d'elle-même, là-bas. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Ah oui, vraiment? Et vous trouvez que c'est si simple, hein? Oh, qu'il fait chaud, vous permettez-je? Oh non, non, j'ai horreur des hommes en bras de chemise. Ça va. Moi, je passais mes nuits dans les salles de rédaction. Il y faisait toujours une chaleur de cloporte. Il y fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit. Tiens, oui, c'est déjà la nuit. Olga se déshabille. Hein. Comme le temps passe vite sur Terre. C'est la nuit. Ils ont mis des scellés sur la porte de ma chambre. Et la chambre est vide dans le noir. Ils ont posé leurs vestons sur le dos de leur chaise et roulé les manches de leur chemise au-dessus de leurs coudes. Ça sent l'homme et le cigare. Moi, j'ai aimé vivre au milieu d'hommes en bras de chemise. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà ce que ça veut dire. Vous aimez ça, vous, les hommes en chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi? Mais pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? Je vous regarde tous deux et je pense que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à retrouver des amis, de la famille. Un excellent ami avec un trou au milieu de la figure. Celui-là aussi. Il dansait le tango comme un professionnel. Mais nous, pourquoi nous a-t-on réunis? Eh bien, c'est le hasard. Ils casent les gens où ils peuvent, dans l'ordre de leur arrivée. Et pourquoi riez-vous? Mais parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Il ne laisse jamais rien au hasard. Mais nous nous sommes peut-être rencontrés autrefois. Jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Ou alors c'est que nous avons des relations communes. Vous ne connaissez pas les Dubois et moi? Ça m'étonnerait. Ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, ils ont un château. Moi j'ai employé des postes. Oh, alors en effet. Et vous, monsieur? Je n'ai jamais quitté Rio. En ce cas, vous avez parfaitement raison. C'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard? Alors ces meubles sont là par hasard? C'est par hasard si le fauteuil de gauche est vert épinard et le fauteuil de droite est bordeaux? Un hasard, n'est-ce pas? Eh bien, essayez donc de les bouger de place. Vous m'en direz des nouvelles. Et le bronze, c'est un hasard aussi? Et cette chaleur? Et cette chaleur? Non, je vous dis qu'ils ont tout préparé, jusque dans les moindres détails. Avec amour, cette chambre nous attendait. Mais comment voulez-vous? Tout est si dur, si laid, si anguleux. Je détestais les angles. Croyez-vous que je vivais dans un salon Second Empire? Alors tout est prévu? Tout. Et nous sommes assortis. Ce n'est pas par hasard si vous, vous êtes assise à côté de moi. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Mais ils attendent. Je ne peux pas supporter qu'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Eh bien, faites-le. Faites-le donc. Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. C'est insupportable. Et quelque chose doit m'arriver par vous deux. Par vous deux. Il y a des visages qui me parlaient tout de suite et les vôtres ne me disent rien. Allons, pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit, allez jusqu'au bout. Mais je n'en sais absolument rien. Et il faut le savoir. Si seulement chacun d'entre nous avait le courage de dire... Quoi? Estelle. Plaît-il? Qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me demande même s'il ne s'agit pas d'une erreur. Mais ne souriez pas. Pensez à la quantité de gens qui s'absentent chaque jour. Ils viennent ici par milliers et n'ont affaire qu'à des subalternes, des employés sans instruction. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur? Ne souriez pas. Et vous, dites quelque chose. S'ils se sont trompés dans mon cas, ils ont pu s'être trompés dans le vôtre et dans le vôtre aussi. Est-ce qu'il ne veut pas me croire que nous sommes là par erreur?
C'est tout ce que vous avez à nous dire? Que voulez-vous savoir de plus? Je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'élevais mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon, j'ai accepté. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans sans un nuage avec mon mari. Il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui et j'ai refusé. Après cela, j'ai eu ma pneumonie. C'est tout. Peut-être que l'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Croyez-vous que ce soit une faute? Quoi? Certainement non. Et vous, trouvez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Qui est-ce qui pourrait vous le reprocher? Je dirigeais un journal pacifiste, la guerre éclate. Que faire? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. Mais où est la faute? Où est la faute? Il n'y a pas de faute, vous êtes... Un héros. Et votre femme, garçon? Eh bien, quoi, je l'ai tiré du ruisseau. Vous voyez? Vous voyez? Je vois. Mais pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous. Entre assassins. Nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a jamais d'erreur, on ne damne jamais les gens pour rien. Taisez-vous. En enfer. Damné. Taisez-vous. Voulez-vous vous taire? Je vous défends d'employer des mots grossiers. Damné, la petite sainte. Damné, le héros sans reproche. Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Non, mais est-ce que vous vous tairez? Attendez, j'ai compris. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Prenez garde à ce que vous allez dire. Oh, vous allez voir, c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir, personne. Nous resterons jusqu'au bout, seuls, ensemble. C'est bien ça? En somme, il manque quelqu'un ici. C'est le bourreau. Je le sais bien. Eh bien, ils ont réalisé une économie personnelle, voilà tout. Ce sont les clients qui assurent eux-mêmes le service. Comme dans les restaurants coopératifs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les 2 autres. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal et je n'ai rien à faire avec vous, rien, c'est tout à fait simple. Alors voilà, vous ici, moi là, chacun dans son coin, c'est la parade. Et du silence, pas un mot. Chacun de nous a assez à faire avec lui-même. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Il faut que je me taise. Oui, nous serons sauvés. Se taire, regarder en soi... Ne jamais lever la tête, c'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors adieu. Monsieur? Monsieur, vous avez un miroir, une glace, n'importe quoi? Si vous me laissez toute seule, procurez-moi au moins une glace. Moi, j'ai une glace, non? Je ne l'ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Comme c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous avez? Oh, je me sens drôle. Ça ne vous fait pas cet effet-là, à vous? Quand je ne me vois pas, j'ai beau me tâter, je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Ah oui, de l'intérieur. Tout ce qui se passe dans les têtes est si vague. Ça m'endort. Il y a 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Je les vois. Je les vois, mais elles ne me voient pas. Elles reflètent la causeuse, le tapis, la fenêtre. Comme c'est vide une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m'arrangeais pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais. Je me voyais parler. Je me voyais comme les gens voyaient. Ça me tenait éveillée. Ah!
mon rouge. Je suis sûre que je l'ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Rapprochez-vous de mon fauteuil. Mais... ne nous occupons pas de lui. Nous allons nous faire du mal. C'est vous qui l'avez dit. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? On ne sait jamais. Mais c'est peut-être toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que cela peut faire puisqu'il faut souffrir? Autant que ce soit par toi, assieds-toi. Approche-toi. Encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite. Je me vois très mal. Je te vois, moi. Tout entière. Interroge-moi. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur? Monsieur? Nous ne vous ennuyons pas par notre bavardage? Laisse-le, il ne compte plus. Nous sommes seuls. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Pas très bien. Oh, je me doutais. Heureusement que personne ne m'a vu. Je recommence. C'est mieux. Non, suis le contour des lèvres. Je vais te guider là. Là, c'est bien. Aussi bien que tout à l'heure, quand je suis entrée. C'est mieux. Plus lourd, plus cruel. Ta bouche, d'enfer. Et c'est bien, ça? Que c'est agaçant. Je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien? Tu ne veux pas qu'on se tutoie. Tu me jures que c'est bien? Tu es belle. Vous avez du goût? Avez-vous mon goût? J'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi. Souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas. Vous m'intimidez. Mon image dans les glaces était apprivoisée, je la connaissais si bien. Je vais sourire, mon sourire ira au fond de vos prunelles et Dieu sait ce qu'il va devenir. Mais qu'est-ce qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas qu'on se tutoie? J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Et plus particulièrement les employés des postes, j'imagine. Qu'est-ce que tu as là, en bas de la joue? Une plaque rouge. Une plaque rouge? Quelle horreur, où ça? Là, il n'y a pas de plaque rouge, pas la moindre rougeur. Et si le miroir se mettait à mentir? Ou si je refusais de te regarder? Que ferais-tu de toute cette beauté? N'aie pas peur, il faut que je te regarde. Mes yeux resteront grands ouverts et je serai gentille, tout à fait gentille. Mais tu me diras-tu? Je te plais. Beaucoup. Je voudrais qu'il me regarde aussi. Parce que c'est un homme. Vous avez gagné. Et ne jouez pas cette comédie. Vous n'avez pas loupé un mot de ce que nous disions. Vous pouvez le dire, pas un mot. J'avais vous m'enfoncer les doigts dans les oreilles, vous me bavardiez dans la tête. Allez, vous me laisser à présent. Je n'ai pas affaire à vous. Et à la petite, aviez-vous affaire? J'ai vu votre manège, c'est pour l'impressionner que vous avez pris vos grands airs. Je vous dis de me laisser. Il y a quelqu'un qui parle de moi au journal et je voudrais écouter. Je me moque de la petite, si cela peut vous tranquilliser. Merci. Je ne voulais pas être grossier. Mufle. Eh bien voilà, mais je vous avais supplié de vous taire. C'est elle qui a commencé. Elle est venue m'offrir son miroir et je ne lui demandais rien. Rien? Seulement tu te frottais à lui et tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après? Non mais êtes-vous folle? Vous ne voyez donc pas où nous allons? Mettez-y-vous! Alors nous allons nous rasseoir bien tranquillement, nous fermerons les yeux, et chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Oublier? Mais quel enfantillage! Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche? Vous pouvez vous couper la langue? Est-ce que vous vous empêcherez d'exister? Arrêterez-vous votre pensée? Oh, je l'entends, elle fait tic-tac comme un réveil, et je sais que vous entendez la mienne. Vous avez beau vous rencogner sur votre fauteuil, vous êtes partout, les sons m'arrivent souillés parce que vous les avez entendus au passage. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage, vous le connaissez, et je ne le connais pas, et elle, vous me l'avez volé. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle oserait me traiter comme elle me traite? Non, ôtez ses mains de votre figure, je ne vous laisserai pas, ce serait trop commode.
Vous resteriez là insensible, plongeant vous-même comme un Bouddha. J'aurais les yeux clos, je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, même les froissements de sa robe, et qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez même pas. Pas de ça. Je veux choisir mon enfer. Je veux vous regarder de tous mes yeux et lutter à visage découvert. C'est bon! Ils nous ont manœuvrés comme des enfants, hein? Je suppose qu'il fallait en arriver là. Ah, s'ils m'avaient mis avec des hommes. Les hommes savent se taire, mais il ne faut pas trop demander, hein? Alors, petite, je te plais, il paraît que tu me faisais de l'œil. Ne me touchez pas. Allons, allons. Il n'y a rien à perdre. J'aimais beaucoup les femmes, sais-tu, et elles m'aimaient beaucoup. Mais mets-toi donc à l'aise. Nous n'avons absolument rien à perdre. De la tranquillité, pourquoi? De la politesse, pourquoi? Des cérémonies, pourquoi? Entre nous, tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Laissez-moi. Ah, comme des vers! Mais je vous avais prévenu, hein. Je ne demandais rien. Rien que la paix et un peu de silence. J'avais mis les doigts dans les oreilles. Gomez parlait. Debout, entre les tables. Je voulais comprendre ce qu'il disait. C'était difficile. Les événements de la Terre passent si vite. Mais est-ce que vous ne pouviez pas vous taire? À présent, c'est fini. Il ne parle plus. Ce qu'il pense de moi est entré dans sa tête. Eh bien, il faudra que nous allions jusqu'au bout. Nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous le savez. À présent, vous le savez. Non, mais tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Allez, toi, la blonde commence. Dis-nous pourquoi. Pourquoi? Ta franchise peut éviter les catastrophes quand nous connaîtrons nos monstres. Allons, pourquoi? Je vous dis que je l'ignore. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Ah, je le sais bien, moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre. Mais je me connais. Tu as peur de parler la première? Bien, très bien, je vais commencer. Je ne suis pas très jolie. Ça va, on le sait que vous avez déserté. Alors taisez-vous, ne parlez jamais de cela. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme, c'est tout. Pendant 5 ans. Bien entendu, elle souffre encore. La voilà. Dès que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse et c'est elle que je vois. Où est Gomez? Hein? Pendant 5 ans? Ah, mais dites donc, ils lui ont rendu mes effets. Elle est assise près de la fenêtre avec mon veston sur les genoux. Le veston aux 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Et les bords des trous sont roussis. Ah non, mais... c'est une pièce de musée, hein, un veston historique. J'ai porté ça. Mais pleureras-tu? Mais qu'attends-tu pour pleurer? Je rentrais sous comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit. Elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement. Ses yeux seulement. Ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Il neige dehors. Mais pleureras-tu? Enfin, une femme qui a la vocation du martyr. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Et parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive, voyez-vous. Et pas un reproche, hein? Je suis très taquin, alors j'attendais toujours, mais non. Pas un pleur, pas un reproche. Tiens, elle passe la main sur le veston sans le regarder. Et ses doigts cherchent les trous à l'aveuglette. Mais qu'attends-tu? Mais qu'espères-tu? Je te dis que je ne regrette rien! Enfin voilà, elle m'admirait trop, comprenez-vous cela? Non, on ne m'admirait pas. Ah, bien tant mieux. Tant mieux pour vous. Tout cela doit vous paraître abstrait, hein? Et voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Oh, 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 non mais, oh, quelle nuit! Et ma femme couchait au premier, elle devait nous entendre, et
Elle s'est levée la première et comme nous faisions la grasse matinée, elle nous a porté le petit déjeuner aussi. Goujat. Oui. Ah oui, le goujat bien aimé, oui. Non, c'est Gomez, mais il ne parle pas de moi. Goujat, disiez-vous? Dame, sinon qu'est-ce que je ferai ici, hein? Et vous? J'étais ce qu'ils appellent là-bas une femme damnée. Déjà damnée, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout? Non, il y a aussi cette histoire avec Florence. Mais c'est une affaire de mort. Trois morts. D'abord lui, ensuite elle et moi. Il n'y a plus personne là-bas. La chambre, tout simplement. Je vois la chambre de temps en temps, vide avec des volets clos. Ah! Ils ont fini par ôter les scellés. Allouée? Elle est allouée. Il y a un écriteau sur la porte. C'est dérisoire. Trois, vous avez bien dit trois? Trois. Tiens. Il s'est tué? Lui? Il en était bien incapable. Non, c'est un tramway qui l'a écrasé. De la rigolade. J'habitais chez eux. C'était mon cousin. Florence était blonde. Blonde? Vous savez, je ne regrette rien. Mais ça ne m'amuse pas tant de raconter cette histoire. Oui, allez, allez. Vous l'avez dégoûté de lui, oui. Petit à petit, un mot de ci, un mot de là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant, soufflé par le nez dans son verre. De rien. Oh, c'était un pauvre type, vulnérable. Pourquoi souriez-vous? Non, parce que moi, je ne suis pas vulnérable. C'est à voir. Je me suis glissée en elle. Elle l'a vue par mes yeux. Pour finir, elle m'est restée sur les bras. Nous avons pris une chambre à l'autre bout de la ville. Alors? Alors, il y a eu ce tramway. Tous les jours, je lui disais, eh bien, ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. Oui, moi aussi. Non, vous n'êtes pas méchant, c'est autre chose. Quoi? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante parce que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une branche morte. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur, j'ai tout brûlé. Elle s'est levée une nuit, elle est allée ouvrir le robinet du gaz, sans que je m'en doute. Et puis elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Quoi? Bah, rien, ce n'est pas propre. Eh bien non, ce n'est pas propre. Après. Bon. Après, vous avez raison. Allez, à toi, qu'est-ce que tu as fait? Je vous ai dit que je n'en savais rien. J'ai beau m'interroger. Eh bien, on va t'aider. Ce type au visage fracassé, qui est-ce? Quel type? Tu le sais fort bien, celui dont tu avais peur quand tu es entré. C'est un ami. Eh bien, pourquoi avais-tu peur de lui? Vous n'avez pas le droit de m'interroger. Il s'est tué à cause de toi? Mais non, vous êtes folle. Mais pourquoi te faisait-il peur? Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, hein? C'est ça qui lui a emporté la tête. Taisez-vous. À cause de toi, à cause de toi. Un coup de fusil à cause de toi. Laissez-moi tranquille, vous me faites peur. Je vais m'en aller. Eh bien, va-t'en. Moi, je ne demande pas mieux, seulement la porte est fermée de l'extérieur. Vous êtes ignoble. Parfaitement ignoble. Donc, le type, il s'est tué à cause de toi? C'était ton amant? Évidemment, c'était son amant. Et il a voulu l'avoir pour lui tout seul, c'était pas vrai? Il dansait le tango comme un professionnel, mais il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre? Oui, il était pauvre. Oui, et puis tu avais ta réputation à garder, alors un jour il est venu, il t'a supplié, tu as rigolé, hein? Hein? T'as rigolé? C'est pour ça qu'il s'est tué. C'est avec ses yeux-là que tu as regardé Florence? Oui. Vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant, là. Êtes-vous content? Et toi, tu ne voulais pas? Non. L'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse.
Personne n'a rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Ça l'amusait d'avoir une fille. Pas moi. Après ? Il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Il criait « Estelle, je t'en prie, je t'en supplie !» Je le détestais. Il s'est penché sur le balcon et il a tout vu. Il avait des ronds sur le lac. Après ? C'est tout. Je suis revenue à Paris et lui, il a fait ce qu'il a voulu. Il s'est fait sauter la tête ? Bah oui. Ça n'en valait pas la peine. Hein. Mon mari ne s'est jamais douté de rien. Je vous hais. Inutile ici les larmes ne coulent pas. Je suis lâche. Je suis lâche. Si vous saviez comme je vous hais. Oh, pauvre petit. Bon, l'enquête est terminée, pas la peine de garder cette gueule de bourreau. Enfin, de bourreau. Je donnerais n'importe quoi pour me voir dans une glace. C'est chaud. Oh, pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise, hein, à présent. Oui. Il ne faut pas m'en vouloir, Estelle. Je ne vous en veux pas. Et à moi, tu m'en veux à moi ? Oui. Eh bien, garçon, nous voici nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair ? Je ne sais pas, peut-être un peu plus clair. Mais... est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous aider les uns les autres ? Je n'ai pas besoin d'aide. Mais Inès, ils ont embrouillé tous les fils. Si vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi, nous sentons la secousse. Aucun de nous ne peut se sauver seul. Il faut que nous nous perdions ensemble ou que nous nous sauvions ensemble. Choisissez. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils l'ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Un homme est assis sur mon lit. Ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Mais entrez, entrez, ne vous gênez pas. C'est une femme. Elle va vers lui et lui met les mains sur les épaules. Qu'est-ce qu'ils attendent pour allumer? On n'y voit plus. Ou est-ce qu'ils vont s'embrasser? Cette chambre est à moi. Elle est à moi. Oh, pourquoi n'allume-t-il pas? Je ne peux plus les voir. Qu'est-ce qu'ils chuchotent? Elle lui dit qu'il est midi et qu'il fait grand soleil. Alors c'est que je deviens aveugle. Fini. Plus rien. Je n'entends plus, je ne vois plus. Eh bien, je suppose que j'en ai fini avec la terre. Plus d'alibi. Oh, je me sens vide. À présent, je suis tout à fait morte. Tout entière ici. Vous disiez, vous parliez de m'aider, je crois. Oui. À quoi ? À déjouer leur ruse. Et moi, en échange ? Mais vous m'aiderez. Il faudrait peu de choses, Inès. Tout juste un peu de bonne volonté. La bonne volonté ? Voulez-vous que j'en prenne ? Je suis pourrie. Et moi ? Mais tout de même, si nous essayons... Je suis sèche. Je ne peux ni recevoir, ni donner... Comment voulez-vous que je vous aide ? Une branche morte. Le feu va s'y mettre. Florence était blonde. Savez-vous que cette petite sera votre bourreau ? Peut-être bien que je m'en doute. Mais c'est par elle qu'ils vous auront. En ce qui me concerne, je ne lui prête aucune attention. Mais si de votre côté... vous... Quoi ? Mais c'est un piège. Ils vous guettent pour savoir si vous vous y laisserez prendre. Je sais. Mais vous aussi, vous êtes un piège. Croyez-vous qu'ils n'ont pas prévu toutes vos paroles ? Et qu'ils ne s'y cachent pas des trappes que nous ne pouvons pas voir ? Tout est piège. Mais qu'est-ce que cela me fait ? Moi aussi, je suis un piège. Un piège pour elle. C'est peut-être moi qui la frapperai. Oh, mais vous n'attraperez rien du tout.
Nous nous courons après comme des chevaux de bois sans jamais nous rejoindre. Ah, et vous pouvez croire qu'ils ont tout arrangé. Mais laissez tomber, Inès, ouvrez les mains, lâchez prise. Sinon vous ferez notre malheur à tous trois. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler, je brûle et je sais qu'il n'y aura pas de fin. Je vous dis que je sais tout. Croyez-vous que je lâcherai prise? Je l'aurai. Elle vous verra par mes yeux comme Florence voyait l'autre. Qu'est-ce que vous venez me parler de votre malheur? Je vous dis que je sais tout. Je ne peux même pas avoir pitié de moi. Un piège. Un piège. Mais naturellement que je suis prise au piège. Et puis après, tant mieux s'ils sont contents. Et moi, je peux avoir pitié de vous? Regardez-moi. Nous sommes nus. Nus jusqu'aux os et je vous connais jusqu'au cœur. C'est un lien. Croyez-vous que je voudrais vous faire du mal? Je ne me plains pas, je ne regrette rien. Moi aussi, je suis sec. Mais de vous, je peux avoir pitié. Ne me touchez pas, je déteste qu'on me touche. Et gardez votre pitié. Allons, garçon, il y a aussi des pièges pour vous dans cette chambre. Pour vous, préparés pour vous. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Et si vous nous laissez tout à fait tranquille, la petite et moi, je ferai en sorte de ne pas vous nuire. C'est bon. Au secours, garçon. Comme voulez-vous. Moi, vous pouvez m'aider. Adressez-vous à elle. Je vous en prie, garçon, vous avez promis. Je ne veux pas rester seule. Olga l'a emmenée au dancing. Qui est-elle emmenée? Pierre. Ils dansent ensemble. Qui est Pierre? Un petit niais. Il m'aimait. Il m'appelait son eau vive. Elle l'a emmenée au dancing. Tu l'es? Il se rassèle. Elle est à bout de souffle. Pourquoi danse-t-elle? À moins que ce ne soit pour se faire maigrir. Bien sûr que non. Bien sûr que je ne l'aimais pas. Il a 18 ans et je ne suis pas une ogresse, moi. Alors laisse-le, qu'est-ce que cela peut te faire? Il était à moi. Rien n'est plus à toi sur la terre. Il était à moi. Oui, il était. Essaye de le prendre. Essaye de le toucher. Olga peut le toucher, elle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle peut lui tenir la main. Lui frôler le genou. Elle pousse contre lui son énorme poitrine. Elle lui souffle dans la figure. Petit pousset, pauvre petit pousset, qu'attends-tu pour lui éclater de rire au nez? Il m'aurait suffi d'un regard, elle n'aurait jamais osé. Est-ce que je ne suis vraiment plus rien? Rien, il n'y a plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le coupe-papier? Le bronze de Barbe Vienne? Le fauteuil bleu est à toi. Et moi, mon petit, moi, je suis à toi pour toujours. À moi? Eh bien, lequel de vous deux oserait m'appeler sans eau vive? On ne vous trompe pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi. Défends-moi. Tant que tu penses, mon eau vive, ma chère eau vive, je ne suis ici qu'à moitié. Je ne suis qu'à moitié coupable. Je suis au vif là-bas près de toi. Elle est rouge comme une tomate. Voyons, c'est impossible. Nous avons 100 fois ridé l'ensemble. Qu'est-ce que c'est que cet air-là? Je l'aimais tant. C'est St. Louis Blues. Eh bien, dansez, dansez, garçon, vous vous amuseriez si vous pouviez la voir. Elle ne saura donc jamais que je la vois. Je te vois avec ta coiffure défaite, avec ton visage chaviré. Je vois que tu lui marches sur les pieds, c'est à mourir de rire. Allons, plus vite. Il la tire, il la pousse, c'est indécent. Il me disait, vous êtes si légère. Allons, allons, je te dis que je te vois. Elle s'en moque. Elle danse à travers mon regard. Notre chère Estelle? Quoi? Quoi, notre chère Estelle? Ah, tais-toi!
Tu n'as même pas versé une larme aux obsèques. Elle lui a dit, notre chère Estelle. Elle a le toupet de lui parler de moi. Allons, en mesure. Ce n'est pas elle qui pourrait parler et danser à la fois. Qu'est-ce que... Non! 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 Ne lui dis pas! Je te l'abandonne! Emporte-le, garde-le, fais-en ce que tu voudras, mais ne lui dis pas! Ah, tu peux le garder à présent! Tu lui as tout dit, garçon! Roger, le voyage en Suisse, l'enfant, elle a tout raconté! Notre chère Estelle n'était pas... Non! Non, en effet, je n'étais pas. Il branle la tête d'un air triste, mais on ne peut pas dire que la nouvelle est bouleversée. Ah, tu peux le garder à présent. Ce ne sont pas ses lancines ni ses heures de fille que je te disputerai. Il m'appelait son eau vive, son cristal. Notre chère Estelle, allons et bien danser. En mesure, une, deux. Je donnerai tout au monde pour rester sur terre un instant, pour revenir sur terre un instant et pour danser. Je n'entends plus très bien. Il doit éteindre les lampes comme pour un tango. Pourquoi joue-t-il en sourdine? Plus fort! Oh, que c'est loin. Je n'entends plus du tout. Jamais plus. M'a quitté. Au secours, garçon! Regarde-moi, prends-moi dans tes bras! Garçon! Adressez-vous à elle! Ne vous en allez pas, est-ce que vous êtes un homme? Mais regardez-moi donc! Est-ce donc si pénible? J'ai des cheveux d'or et après tout, quelqu'un s'est tué pour moi! Je vous prie, il faut bien que vous regardiez quelque chose! Si ce n'est pas moi, ce sera le bronze, la table ou les chaises! Je suis tout de même plus agréable à voir! Écoute! Je suis tombée de leur cœur comme un oiseau tombe du nid. Ramasse-moi. Prends-moi dans ton cœur. Tu verras comme je serai gentille. Non, mais adressez-vous à elle. À elle? Elle ne compte pas. C'est une femme. Je ne compte pas. Mais petit oiseau, petite alouette, il y a beau temps que tu aies l'abri dans mon cœur. N'aie pas peur. Je te regarderai sans répit, sans un battement de paupières. Tu vivras dans mon regard comme une paillette dans un rayon de soleil. Un rayon de soleil? Fichez-moi donc la paix. Vous m'avez fait le coup tout à l'heure et vous avez bien vu qu'il a raté. Estelle, mon eau vive, mon cristal. Votre cristal, c'est bouffon. Qui pensez-vous donc tromper? Allons, tout le monde sait que j'ai flanqué l'enfant par la fenêtre. Le cristal est en miettes sur la terre et je m'en moque. Je ne suis plus qu'une peau et ma peau n'est pas pour vous. Mais viens, tu seras ce que tu voudras. Eau vive, eau sale, tu te retrouveras au fond de mes yeux tel que tu te désires. Mais lâchez-moi, vous n'avez pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches? Tiens. Garçon, vous me paierez. Alors tu veux un homme? Un homme? Non. Pas d'histoire, n'importe qui ferait l'affaire. Je me suis trouvé là, c'était moi, bon. Je n'ai rien pour te plaire, tu sais, je ne suis pas un petit niais, je ne danse pas le tango. Je te prendrai comme tu es. Je te changerai, peut-être. Bon, j'en doute. Je serai distrait, j'ai d'autres affaires en tête. Quelles affaires? Ça ne t'intéresserait pas. Je m'assierai sur ton fauteuil, j'attendrai que tu t'occupes de moi. Chienne, à plat ventre. À plat ventre, il n'est même pas beau. Inès, je te demande... Ne l'écoute pas. Elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas d'oreilles, elle ne compte pas. Je te donnerai ce que je pourrai, ce n'est pas beaucoup. Je ne t'aimerai pas, je te connais trop. Est-ce que tu me désires? Oui. C'est tout ce que je veux. Alors? Estelle, garçon, vous perdez le sens. Je suis là, moi. On voit bien, il y a prêt. Mais devant moi? Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Je me déshabillais bien devant ma femme de chambre. Laissez-la avec vos sales mains d'or. Oh, ça va, hein?
Je ne suis pas un gentilhomme, je n'aurais pas peur de cogner sur une femme. Vous m'aviez promis, garçon. Je vous en supplie, vous m'y aviez promis. Mais c'est vous qui avez rompu le pacte. Faites ce que vous voudrez. Vous êtes les plus forts. Mais rappelez-vous, je suis là. Je vous regarde. Je ne vous quitterai pas des yeux. Garçon, il faudra que vous l'embrassiez sous mon regard. Oh, comme je vous hais tous les deux. Aimez-vous. Aimez-vous. Nous sommes en enfer. J'aurai mon tour. Donne-moi ta bouche. Je t'ai dit de ne pas faire attention à elle. Non, mais il s'agit bien d'elle. Gomez est au journal. Ils ont fermé les fenêtres. C'est donc l'hiver. 6 mois. Il y a 6 mois qu'il... J'étais prévenu qu'il m'arriverait d'être distrait. Ils grelottent. Ils ont gardé leur veston. C'est drôle qu'il faisait si froid là-bas et moi j'ai si chaud. Ah, cette fois-ci, c'est de moi qu'il parle. Ça va durer longtemps? Dis-moi au moins ce qu'il raconte. Hein. Non, mais rien. Il ne raconte rien, c'est un salaud, voilà tout, un beau salaud. Revenons à nous. M'aimeras-tu? Qui sait? Auras-tu confiance en moi? Quelle drôle de question. Tu seras constamment sous mes yeux et ce n'est pas avec Inès que tu me tromperas. Évidemment, mais je parlais d'une autre confiance. Oh, mais va, va, dis ce que tu veux, je ne suis pas là pour me défendre, alors. Estelle, il faut me donner ta confiance. Que d'embarras. Mais tu as déjà ma bouche, mes bras, mon corps tout entier, et tout pourrait être si simple. Ma confiance? Mais je n'ai pas de confiance à donner, moi. Il faut que tu aies fait un bien mauvais coup pour me réclamer ainsi ma confiance. Mais ils m'ont fusillé. Je sais bien, tu avais refusé de partir, et puis... Je n'avais pas tout à fait refusé, je... Non, mais il parle bien, il blâme comme il faut, mais il ne dit pas ce qu'il faut faire, hein. Allez, j'entrerai chez le général et lui dire, mon général, je ne pars pas, mais quelle sottise! Il m'aurait coffré! Je voulais témoigner, moi, témoigner. Je ne voulais pas qu'ils étouffent ma voix. Alors j'ai pris le train et ils m'ont pincé à la frontière. Où voulais-tu aller? À Mexico, je comptais y ouvrir un journal pacifiste. Eh bien, dis quelque chose. Que veux-tu que je te dise? Tu as bien fait de partir puisque tu ne voulais pas te battre. Oh, mon chéri, je ne peux pas deviner ce qu'il faut te répondre. Mon trésor. Il faut lui dire qu'il s'est enfui comme un lion. Parce qu'il s'est enfui, ton gros chéri. C'est ce qu'il taquine. Oh, enfui, parti, appelez-le comme vous voudrez. Il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté, il t'aurait mis la main au collet. Oui. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Oh, mais je n'en sais rien, mon amour. Je ne suis pas dans ta peau, c'est à toi de décider. Non, mais je ne décide pas. Enfin, tu dois bien te rappeler, tu devais avoir des raisons pour agir comme tu l'as fait. Oui. Eh bien. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Oh, comme tu es compliqué. Et je voulais témoigner, j'avais longuement réfléchi, mais est-ce que ce sont les vraies raisons? Ah, voilà la question. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Tu raisonnais? Tu ne voulais pas t'engager à la légère? Mais la peur, la haine et toutes ces saletés que l'on cache, ce sont aussi des raisons. Allons. Cherche, interroge-toi. Oh, mais tais-toi! Crois-tu que j'ai attendu tes conseils? J'ai marché dans ma cellule, la nuit, le jour, de la fenêtre à la porte et de la porte à la fenêtre. Je me suis épié, je me suis suivi à la trace. Il me semble que j'ai passé une vie entière à m'interroger. Puis quoi? L'acte était là, j'ai pris le train. Voilà ce qui est sûr, mais pourquoi? Pourquoi? Alors à la fin, j'ai pensé, c'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, j'aurai prouvé que je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garçon? Mal. Oh, c'était une simple défaillance corporelle, j'en ai pas honte. Seulement tout est resté en suspens pour toujours. Viens là, toi, regarde-moi. J'ai besoin que quelqu'un me regarde quand il parle de moi sur Terre. J'aime les yeux verts. Les yeux verts, voyez-vous ça. Et toi, Estelle? Aimes-tu les lâches? Si tu savais comme ça m'est égal, lâche ou non, pourvu qu'il embrasse bien.
Ils dodelinent de la tête en tirant sur leur cigare. Ils s'ennuient. Ils pensent, garçon est un lâche. Oh, mollement, hein, faiblement, histoire de penser tout de même à quelque chose. Garçon est un lâche. Voilà ce qu'ils ont décidé, eux, mes copains. Et dans 6 mois, ils diront lâche comme garçon. Vous avez de la chance, vous deux. Personne ne pense plus à vous sur la terre. Et votre femme, garçon? Eh bien quoi, ma femme? Elle est morte? Morte? Oh, ben j'ai dû oublier de vous le dire, elle est morte tout à l'heure, il y a 2 mois environ. De chagrin? Mais naturellement, de chagrin. De quoi voulez-vous qu'elle soit morte? Allons, peu. Alors tout va bien, la guerre est finie, ma femme est morte, et je suis rentré dans l'histoire. Mon chéri, regarde-moi, touche-moi, touche-moi. Mets ta main sur ma gorge. Laisse ta main, laisse-la. Ne bouge pas. Ils vont mourir un à un, qu'importe ce qu'ils pensent. Oublie-les. Il n'y a plus que moi. Non mais, ils ne m'oublient pas, eux. Ils mourront, mais d'autres viendront qui prendront la consigne. Je leur ai laissé ma vie entre les mains. Tu penses trop. Mais que faire d'autre? Autrefois, j'agissais. Mais, ah, revenir un seul jour au milieu d'eux, mais quel démenti! Seulement, je suis hors jeu. Ils font le bilan sans s'occuper de moi. Ils ont raison, puisque je suis mort. Fait comme un rat. Je suis tombé dans le domaine public. Garçon. Non, tu es là, écoute. Tu vas me rendre un service. Non, 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 ne recule pas. Je sais, cela te semble drôle qu'on puisse te demander de l'aide. Tu n'as pas l'habitude, hein. Mais si tu voulais, si tu faisais un effort, nous pourrions peut-être nous aimer pour de bon. Vois, ils sont 1000 à répéter que je suis un lâche. Mais qu'est-ce que c'est 1000? S'il y avait une âme, une seule, pour affirmer de toutes ses forces que je n'ai pas fui, que je ne peux pas avoir fui, que j'ai du courage, que je suis propre, je suis sûr que je serais sauvé. Veux-tu croire en moi? Tu me serais plus cher que moi-même. Idiot, cher idiot, penses-tu que je pourrais aimer un lâche? Mais tu disais, je... Oh, mais je me moquais de toi, garçon. J'aime les hommes, les vrais hommes, à la peau rude, aux mains fortes. Tu n'as pas le menton d'un lâche, tu n'as pas la bouche d'un lâche, tu n'as pas la voix d'un lâche, tes cheveux ne sont pas ceux d'un lâche. Et c'est pour ta bouche, pour ta voix, pour tes cheveux que je t'aime. C'est vrai? C'est bien vrai? Peux-tu que je te le jure? Ah, alors je les défie tous, tous ceux de là-bas et tous ceux d'ici. Estelle, nous sortirons de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Comment peux-tu être aussi naïf? Estelle, je suis un lâche. Mais si tu savais comme elle s'en moque! Inès, ne l'écoute pas. Si tu veux ma confiance, il faut commencer par me donner la tienne. Mais oui. Tu peux. Fais-lui confiance. Tu peux. Ah oui. Ouais. Elle a besoin d'un homme. D'un bras d'homme autour de sa taille. D'une odeur d'homme, d'un désir d'homme, dans des yeux d'homme. Pour le reste, elle te dirait que tu es Dieu le Père, si cela pouvait te plaire. Estelle, est-ce que c'est vrai? Réponds, est-ce que c'est vrai? Que veux-tu que je te dise? Je ne comprends rien à toutes ces histoires. Que tout cela est donc agaçant. Même si tu étais un lâche, je t'aimerais quand même. Là, cela ne te suffit pas? Vous me dégoûtez. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu n'iras pas loin, la porte est fermée. Ah, il faudra bien qu'ils l'ouvrent. Garçon! Ne t'inquiète pas, la sonnette est détraquée. Je vous dis qu'ils l'ouvriront. Je ne peux plus vous supporter, je ne peux plus. Non mais va-t'en, tu me dégoûtes encore plus qu'elle. Je ne veux pas m'enliser dans tes yeux. Tu es moite, tu es molle, tu es une pieuvre, tu es un marécage. Ouvrirez-vous! Garçon! Je t'en supplie, ne pars pas! Je ne te parlerai plus, je te laisserai tout à fait tranquille, mais ne pars pas. Inès a sorti ses griffes, je ne veux plus rester seule avec elle. Eh bien, débrouille-toi. Je ne t'ai pas demandé de me suivre. Lâche. Lâche. Ah, c'est bien vrai que tu es lâche. Eh bien, mon petit oiseau, ma petite alouette, tu n'es pas contente? Tu m'as craché à la figure pour lui plaire. Nous nous sommes brouillés à cause de lui. Mais il s'en va, le trouble fait. Il va te laisser entre femmes. Tu n'y gagneras rien. Si cette porte s'ouvre, je m'enfuis. Où? N'importe où. Le plus loin de toi possible. Mais ouvrez! Ouvrez donc! J'accepte tout, les brocains, les tenailles, le plomb fondu, les pincettes, le carreau, tout ce qui brûle, tout ce qui déchire. Je veux souffrir pour de bon! Non, mais plutôt sans morsure, plutôt le fouet, le vitriol, que cette souffrance de tête, ce fantôme de souffrance qui brûle, qui caresse et qui ne fait jamais assez mal. Mais
me demande pourquoi cette porte s'est ouverte. Je... Mais qu'est-ce que vous attendez, garçon? Je ne m'en irai pas. Mais allez-y! Allez! Vite! Et toi, Estelle? Lequel? Lequel des trois? Mais la voie est libre, qui nous retient? Mais c'est à mourir de rire, nous sommes inséparables. Inséparables. Garçon, aide-moi vite. Nous la traînerons dehors et nous fermerons la porte sur elle. Elle va voir. Christelle, garde-moi, je t'en supplie. Pas dans le couloir. Ne me jette pas dans le couloir. Lâche-la. Tu es fou, elle te hait. C'est à cause d'elle que je suis restée. À cause de moi? Moi, bien ferme la porte, il fait 10 fois plus chaud depuis qu'elle est ouverte. À cause de moi? Oui. Tu sais ce que c'est qu'un lâche, toi, hein? Oui, je le sais. Tu sais ce que c'est que le mal, la peur, la honte? Il y a eu des jours où tu t'es vu jusqu'au cœur, hein, ça te cassait bras et jambes. Et le lendemain, tu ne savais plus que penser. Tu n'arrivais plus à déchiffrer la révélation de la veille. Oui, tu connais le prix du mal. Et si tu dis que je suis un lâche, c'est en connaissance de cause, hein? Oui. Eh bien, c'est toi que je dois convaincre. Je ne m'arrasse. Mais t'imaginais-tu que j'allais partir, mais... Je ne pouvais pas te laisser ici, triomphante, avec toutes ces pensées dans la tête, toutes ces pensées qui me concernent. Tu veux vraiment me convaincre? Je n'ai plus rien d'autre. Je ne les entends plus, tu sais. C'est sans doute qu'ils en ont fini avec moi, fini. L'affaire est classée. Je ne suis plus rien sur terre, même plus un lâche. Inès, vous voilà seule. Il n'y a plus que vous deux pour penser à moi. Elle ne compte pas, mais toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves. Regarde-moi, ce ne sera pas facile, j'ai la tête dure. J'y mettrai le temps qu'il faudra. Oh, tu as le temps, tout le temps. Écoute, chacun a son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'amour, des femmes, de l'argent. Je voulais être un homme, un dieu, un frère. J'ai tout misé sur le même cheval. Est-ce que c'est possible qu'on soit un lâche quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Pourquoi pas? Tu es arrivé pendant 30 ans que tu avais du cœur et tu te passais 1000 petites faiblesses. Parce qu'on pardonne tout aux héros. C'était tellement commode. Et puis à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur. Et t'as pris le train pour Mexico. Non mais... Je n'ai pas rêvé cet héroïsme. Je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Prouve-le. Prouve que ce n'était qu'un rêve. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Je suis mort trop tôt. On ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. On meurt toujours trop tôt. Ou trop tard. Et cependant, la vie est là. Terminée. Le trait est tiré. Il faut faire la somme. Tu n'as rien d'autre que ta vie. Vipère, hein, tu as réponse à tout. Hein. Allons. Allons, ne perds pas. Courage, il doit être facile de me convaincre. Cherche des arguments, fais un effort. Alors? Je t'avais dit que tu étais vulnérable. Comme tu vas payer à présent. Tu es un lâche, garçon. Un lâche parce que je le veux. Je le veux, tu en veux. Tu comprends? Je le veux. Et pourtant, vois comme je suis faible. Je ne suis que le regard qui te voit. Que cette pensée incolore qui te pense. Ah, elle s'ouvre, ces grosses mains d'homme. Mais qu'espères-tu? On n'attrape pas les pensées avec les mains. Allons. Il faut me convaincre. Je te tiens. Garçon. Quoi? Venge-toi. Comment? Embrasse-moi, tu l'entendras chanter. Ah, c'est pourtant vrai, Inès. Tu me tiens, mais je te tiens aussi. Lâche. Va. Va te faire consoler par les femmes. Chante, Inès, chante. Oh, le beau couple. Si tu voyais sa grosse patte posée à plat sur ton dos, croissant la chair et l'étoffe, il a les mains moites, il transpire. Il laissera une grosse marque bleue sur ta robe. Chante, Inès, chante. Serre-moi plus fort contre toi, garçon, on crèvera. Mais oui, serre-la bien fort, serre-la. Mêlez vos chaleurs. C'est bon, l'amour, hein, garçon. C'est tiède et profond comme le sommeil. Mais je t'empêcherai de dormir. Ne l'écoute pas. Prends ma bouche. Je suis à toi tout entière. Mais qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit. Garçon le lâche tient dans ses bras Estelle, l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garçon le lâche l'embrassera-t-il? Je vous vois, je vous vois. À moi seul, je suis une foule. La foule, garçon, la foule, l'entends-tu? Lâche, 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 lâche. En vain, je te fuis, mais je ne te lâcherai pas.
Que vas-tu chercher sur ses lèvres? L'oubli? Mais je ne t'oublierai pas, moi. C'est moi qu'il faut convaincre. Moi, viens, viens, je t'attends. Tu vois, je t'aime. Il desserre son étreinte. Il est docile comme un chien. Tu ne l'auras pas. Il ne fera donc jamais nuit? Jamais. Tu me verras toujours? Toujours. Le bronze. Eh bien, voilà le moment. Le bronze est là, je le contemple et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Vous avez prévu que je me tiendrais là, debout, devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Vous n'êtes que deux. Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill? Mais quelle plaisanterie! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Oh, amour. Ah, laisse-moi. Elle est entre nous et je ne peux pas t'aimer quand elle me voit. Eh bien, elle ne nous verra plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Je suis déjà morte. Morte? Morte! Morte, morte, morte. Ni le couteau, ni la corde, ni le poison, c'est déjà fait, comprends-tu? Et nous sommes ensemble pour toujours. Pour toujours. Mon Dieu, que c'est drôle. Pour toujours. Pour toujours. Bien, continuons.